Yo tout le monde, c'est Thiop, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Europe de Total War. On joue l'Égypte et j'espère peut-être hein, qu'on fera plus d'un tour aujourd'hui. Effectivement, c'était rapide. Ce fut un épisode assez spécial, le précédent. Allez, hop, on commence par annihiler cette flotte. Voilà. Ah ouais, je me souviens de ça. Ah bah tiens, bonjour. On se venge de cette armée qui nous avait fait pas mal de pertes. Que je fais augmenter. Effectivement, je fais augmenter le nombre de pertes. Ce n'est pas voulu. Un peu quand même, mais non. Voilà, et on va prendre Palmyre. Bon, c'est pas grave si on a de la perte. Voilà, il faut le prendre rapidement. Et on occupe. Voilà. On a fait tomber Palmyre, on a un bon pied à terre chez eux. C'est plutôt une bonne chose. D'autant plus que j'ai toujours de quoi monter une armée ici. On va faire le tour comme... Oh! Ah oui. Ouais, nourriture à fond ici, allez, plus vite. Ouais, et là, il me semble que... Voilà. Je vais aller choper Apollonia. Hein. Pardon? Mais c'est quoi toutes ces pertes? Mais... Ah, oh, il avait vraiment emporté, lui. Oh. Bon, bah, je mène la bataille sur le champ. Je sais pas si on va pouvoir faire encore un épisode avec plus d'un tour. Ah ouais, donc vous voyez les pertes que j'ai, les gars. Je suis donné perdant. Ah. Je veux bien que j'ai pas de cavalerie, nanani nanana, mais bon. Non, pas de brouillard par contre. Non plus, pas de pluie, c'est pas bon ça. Voilà, sec. Hop. Les archers qui sont derrière pour l'instant, qui passeront devant. Et eux. Je vais les mettre derrière le plus rapidement possible. Enfin, je vais les faire bouger en fonction d'où se trouvera leur renfort. Parce qu'il me semble qu'ils ont une unité. Enfin, les renforts ont une unité de cavalerie, si je ne me trompe pas. Première cohorte, non. Ah. Non. Voilà, donc je vais checker quand même. Je vais laisser un bon oeil ici. Voilà, et là il me faut absolument tuer les Levesses. Cavalerie, cavalerie, cavalerie. Cavalerie, mercenaires tard. Oh mince. Je vais prendre les deux qui font les extrémités, je vais pas avoir le choix. Ok. Par contre, pour le coup, là, ils prennent vraiment cher. Hop, stop. Est-ce qu'ils ont la portée pour tirer sur les légionnaires là-bas? Ça devrait aller. Je les retourne tout simplement pour la cavalerie tarentine qui va m'enquiquiner très seul. D'accord. Je vais laisser comme ça le temps de. Alors. Ici, je vais étendre au maximum mes lignes. Ici, même principe. Voilà, j'ai pas trop le choix. Et ce qui fait que je me libère 3 piquets là pour l'autre côté, ça va être impératif. Parce que sinon je vais finir totalement entouré entre deux. Et c'est pas formidable. Hop, là les vigiles. Oh, il envoie sa plèbe en première ligne, sérieux. Oh là là, quel schlag. C'est pas très gentil ça. Faire attention à bien garder des munitions avec eux.
Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui. Hop, cela, attention, là il y a des vitesses. Pas les laisser au corps à corps, ce serait dommage. Pas les laisser vider leurs munitions plutôt. J'ai dit des choses, mais j'en pense l'inverse, c'est bizarre. Ah merde! J'ai totalement oublié ce détail qui n'en est pas un. Allez, en étant au maximum, eux, voilà, on les fait retourner là. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ah, je les avais pas vus non plus, tiens. Ok, là, ils se prennent quelques tirs, c'est plutôt pas mal. Hop, ici, voilà, je vais contourner, le but c'est que j'en finisse le plus vite possible avec ce front. Voilà, la cavalerie. Putain, la cavalerie Tarantine, là tu te prends. Non, tu meurs un jour. Juste tu te prends des dégâts. Ça va pas être suffisant là. Voilà, là je vais en avoir besoin également d'un. Ça y est, la cavalerie Tarantine qui enfin commence à avoir un peu mal. Hop là, recul. Et là, zut. Et là, c'est pas bon ça. Oula, oula, oula. Comment ça? Ah, c'est la baliste là-bas. Allez, ça va pas si vite. Ah purée! Putain, j'ai toutes mes unités d'archers qui sont mis au corps à corps. Purée. Ça c'est chiant. Voilà, on resserre la formation. C'est un peu bazardeux, mais on n'a pas trop le choix. Allez, tuez-moi cette première cohorte ici. Hop, ici. Je veux la reconstitution d'une belle ligne. Allez ici, là, faut fuir. Oula, oula, comment ça se fait qu'ils sont passés là, eux? Ouais, ce sont des piquets normaux en plus. Sinon, en général, il y arrive. Il y arrive. Aïe, aïe, aïe. Okay, j'ai perdu ma première ligne. Mais c'est pour le bien commun. Voilà, on reforme une autre ligne propre. Là, on a pile fini le... On a fini le front comme il fallait. Donc, avec un pouilla de retard, mais à peine. Allez, les éléphants, c'est le moment de revenir. Ils sont costauds, hein, quand même. Hein. Allez, feu à volonté, là. Non, pas feu à volonté. Ah si, ça y est, ça commence à tirer. Ils sont 20. Ils tiennent. Là, je dis bravo, par contre, c'est le moral. Je suis pas sûr que ceux de derrière, par contre, ils tirent grand chose. Hein. Ils tirent sur grand chose, je veux dire. Là, pareil, ils sont 47. Ils sont 15, ils tiennent encore. Hein. Ouais, là ils sont sous la bannière du général, eux ils ont... Là ils ont fui mais ils reviennent, ça y est.
ça me va. Ok. Voilà, la charge d'éléphant là qui fait vraiment le café derrière. Hop. Sur la première cohorte. Ah zut. Ils sont partis juste avant, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, j'entre dans une phase de rénovation, enfin de pardon, d'amélioration de mes armées. On a vu hein, lors des épisodes précédents, j'ai la caserne royale qui est en train de se construire. Donc, autant dire que là, niveau unité, on sera bien. Voilà. On occupe. Voilà. Apollonia. Ouais, je vais laisser avec la caserne de Lucideros pour l'instant. Alors, Kidri en est bien. Ah, j'ai peur d'une attaque par contre. Je vais lever une petite armée. Vraiment pas grand chose, mais juste histoire de dire. Voilà, qu'on a ce qu'il faut au cas où. Voilà. Oh, ça coûte cher les éléphants, purée. Et là c'est bon. Là. Voilà, comme d'hab, hein, si j'attaque, je perds, mais ils peuvent pas m'attaquer quoi. Après ça maintient deux armées pour une. C'est plutôt rentable. Donc je vais laisser ça comme ça. Allez. J'ai une armée qui. Une flotte qui se lève ici. Hein. Ouais, voilà, vous voyez ça. On envoie tout ce beau monde. Tac, tac. Voilà. Et ici, on agite. On fait le dawa. Les défenseurs du Nil. Ah oui, ils ont pris la Polonia. Ça, c'est très bien. Pour toutes les armées de lance. Ah oh bah, parfait. Plus de dégâts pour toutes les unités armées de lance. Que demandait le peuple. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Octave aussi. Alors ça attaque sévère même hein. Ça attaque bien hein. Du côté Rome de Pompée. Après j'ai des piquets, je risque pas grand chose. Bon, je vais mener la bataille sur le champ. Puis regardez moi ces archers qui sont rang 7. Quelques piqueurs en 7 également, majorité en 8. Ou inversement, je vois. Hop, là je sais qu'ils vont passer par là. Ouais, bah alors là par contre ça fout le feu, je sais pas comment. Ça sert à rien, on n'a pas de pente, c'est pourri. Hop, voilà. Ouh, c'est mignon ça. Hein ici, si jamais ils veulent faire passer leur cavalerie. Bah, il y aura quelque chose. Voilà. Et non. Et pareil, bon courage pour passer la cavalerie. Là, je les mets là, mes éléphants. Comme ça. Je vais essayer de. Yes. Comme ça, on pourra pas leur tirer dessus. Alors, très difficilement. J'ai trois unités là qui en peuvent plus, je vais essayer de les garder de côté, voilà, ça va être en réserve. Donc ces unités là, cette unité là, et celle-là en réserve. Pareil, si je pouvais laisser là ces quelques unités en réserve, mais là, ici là, mais ça risque d'être compliqué. Compliqué. Je vais une rangée. Comme ça, une rangée assez propre. Et je vais en faire une double. Je vais en faire une ici. Ça devrait être bien.
bien. Et là, si j'en mets une, ça devrait suffire. Ouais, comme ça suffira ici. Hein. Avec la barricade, ça devrait largement suffire. Elle va pas servir à grand chose en fait, la barricade. Hop, les piquiers ici, on va en mettre là. Est-ce qu'ils sont bien tous? Ouais, non. Hop, et les archers derrière. Ah, y a un arbre ici, c'est ça? Même pas. Bon. Allez, c'est parti. On va attendre que lui vienne, là, le légat, donc avec ses chevaux. Hop, par contre, que j'y pense. On retire le feu avant monter. Voilà, j'espère que ça va l'attirer, surtout du fait qu'il peut entrer en fait dans la zone de victoire. On va voir. Voilà, là il a. Bon, il voit personne. Mais... Ah si, il voit mon général pourtant. De toute façon, il va faire le tour, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un partout. Voilà. Il y a du monde partout. Il y a quelqu'un partout, ouais. Il y a du monde partout. Voilà. Il va charger. Ça meurt. Mais sûrement. Et voilà. Oh, toute la cavalerie qui arrive, c'est magnifique. Le légat, pareil. Decimus, Regulus, légat. Je vais les envoyer en double fil quand même ici. Hein. Hop, voilà, une charge totalement arrêtée, sauf sur le bord. Le cheval se fait triplement transpercer, mais il tient, il est tranquille. Ah, il y a une jument là qui... C'est quoi, on va changer le plan initial. Ça va rechanger encore le plan secondaire. Hop. Et lui là, hop. On va le mettre ici, je sais que c'est un peu le point faible de là, la formation ici. Voilà. Lui il est perdu. Hein. Ici on est bien, maintenez. Voilà, très très bien ça. Les balistes, ouais, c'est encore loin. Allez, on accélère. Ouais. Ouais, il passe vraiment pas. Allez, doublement. Double pic. Vite, 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 vite. Ah, ils sont 5, ils maintiennent. Ouais, le moral, il a fui. Le moral, il a fui. Le général, il a fui. Voilà, je préfère. Ok, les velites. Non. Oui, peut-être. Non, oui, peut-être. Ils sont traviol. Oula, oula, regardez ça. Ouais, 6 pertes. Oh, les gars. Essayez de faire mieux quand même les gars, un petit peu là. Voilà. 16. 14. C'est toujours mieux. Allez, encore, encore, encore. Voilà, stop. Stop. Non mais... Faut faire écouter hein, quand on vous parle. Hein. C'est embêtant là. Voilà, deuxième. Pareil sur les Leves, là, ils sont 120, ils vont se prendre une salve entière. 7, 11 pertes. Maintenez. Ouh, ça c'est bon ça. Oui. Faudrait savoir où est-ce qu'ils tirent eux. Non, c'est pas bon. Allez, encore, on continue. Ouais, je veux absolument pas qu'ils fassent des dégâts eux. Ah mais c'est pas vrai ça, 76-56, allez les gars là Ah mais c'est quoi ça, c'est... Ah vous êtes en grève ou quoi là? Allez. On replace. Il
Les lanciers mercenaires italiques, hop, allez, on envoie tout ce qu'on a dessus. C'est quoi, c'est de la gladiatrice? Ouais, c'est bon. Oui. J'ai entendu les tirs là des balistes, mais je ne sais pas d'où elles viennent. Enfin, où est-ce que ça atterrit? On va essayer de faire attention les prochaines fois. Plus vu qu'il pleut. Pas facile. Ah, ici. Ok, ça va, c'est sur la... C'est sur les archers, c'est pas très très grave. Hop, ici. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ah non, il reste une petite cavalerie là, c'est pas... C'est pas embêtant. Oh la vache. Je prends des dégâts, mine de rien. Allez hop, l'armée de là on tire sur les vétérans là. Ça pique. Ça pique. Ça pique très très fort là. On va s'approcher avec cette unité là. Voilà. Ça devrait être mieux. Ah ça y est, ils sont décidés à charger là-bas. Non. Allez hop, donc du coup je me rapproche. Oh là là. Même principe, je vais les resserrer là-bas. Eux aussi, voilà, ils ont pris pas mal de pertes. Mais ils ont fait leur travail, donc en soi... Allez. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent à partir comme ça, eux? Voilà. S'ils veulent tirer, ils tireront dans leurs propres unités. C'est tout ça que je voulais. Ouais, j'ai bien fait de décaler. Hein. Je l'ai senti venir gros comme une maison là. Voilà, et là il tire autant sur les siens que sur les miens. Ce qui est parfait. Merde. Ah, je voulais pas cliquer. Je sais pas ce qu'il croit avec 3 unités. Mais... Hop, voilà. Là, il retourne de ce côté. Ça me va. Voilà. Hop, attention. Je veux pas que ça m'attaque par l'arrière. Je crois qu'il tire là. Nous attendons vos ordres. Piquez à l'inotorax. Repli, vos ordres, repli. Maintenant. Comment ça repli? Voilà, on se replace. Là, on
Qu'est-ce qui bouine? Je sais pas ce qui bouine. Ok, je sais pas où est-ce que ça tire ici. Ouais, c'est un peu perdu. Hein. Ils tirent un peu là où ils peuvent. Voilà. Hop, allez. On se met dos au mur. Ah, ça bouge là? Ouais, ça vient de bouger. Mais rien de bien. Voilà, le Decimus. Lui, le pauvre, il a subi des pertes, mais absolument affreuses. Ils sont 5% d'initial. Hop. Ah, sérieux, ça touche encore? Oh, c'est pareil ça. Bon, bah, je vais le mettre là. On va m'expliquer comment ça touche. Hein. L'angle de plongée est plutôt badass, apparemment. Hop, allez, on se repositionne. Aïe. Ah, il m'a fait mal, lui. Hein. Hop, allez, on se repositionne là. Oh la vache. Ah, il déconne zéro, par contre, au niveau des lanceurs. Voilà, c'est bon. Ça part en débandade. Oui, ça avance avec les balistes, mais je sais pas ce qu'ils vont pouvoir avancer. Voilà, comme ça on est bien planqué. Et s'il nous veut, bah il sera obligé de venir nous chercher. Que je peux envoyer le général en soi. Ah, bah ouais, pas besoin. Pas besoin. Ah, j'ai bien l'impression que je vais encore faire un seul tour de jeu hein, sur sur cet épisode. Hein. Pas mal de batailles à mener. Pas mal de batailles à gagner. Et comme disent les Romains, hein, mais pour une fois, ils peuvent pas le dire. Hein. Veni, vidi, vici. Enfin, ils sont venus, ils ont vu, ils ont perdu du coup. Mais je sais pas comment on dit ça en latin. Donc, si un de vous fait du latin, ou a fait du latin, ou sait parler latin, on sait jamais. Comment dit-on veni, vidi, vici? Enfin, comment dit-on j'ai venu, j'ai vu, j'ai perdu? Putain, je suis encore pris par le temps en plus. Bon bah encore une bataille, hein. Encore à Polonia, hein. Polonia pardon. Polonia qui semble être une ville très prisée pour son vin. Il doit y avoir du sacrément bon vin hein, parce que pour qu'il s'acharne comme ça là. Alors c'est comment? Ok, toute leur artillerie elle vient du même côté. Ah non, il y a une artillerie qui est mise là. Bon, je vais me mettre là. Et je vais l'attendre. Même mon général est invisible. Waouh, il est pro-ray. Enfin, il est caché du coup. Voilà, je veux que tout le monde soit bien caché. Ce que je veux, c'est qu'il... Voilà, exactement ça, ce que je veux. Mais, c'est pas tout. Je veux également que les artilleries pose-pied. Et surtout que les artilleries pose-pied.
Ça y est. Allez, toi, je peux te dire que tu vas jouer un sacré rôle. Hop, tous les archers ici. Les piquiers. À part eux, là, j'aimerais vraiment qu'ils survivent. Ils ont déjà survécu à une bataille. C'est bien qu'ils survivent à la deuxième. Oh, ils sont perdus. Du coup, mon général, je vais pas le mettre là. Voilà. Je vais lui faire faire le tour plutôt. Hop, par là. Non, pas par là. Ils ont vu le général, ils se sont fait ouais, allez, on a tous dessus là. Hop là. Ok. Ah ouais, non, il ouais, y a du people là-bas. Ça va être compliqué. Hein. On va fermer le chemin ici. Ça. Ah putain, j'ai rien vu. Là, il va prendre cher, mon général. Hein. Les pilums et tout le bazar là. Allez, tu continues à avancer. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Les éléphants savent. Ah putain. Allez, plus vite que ça, là, plus vite que ça, il y a les légionnaires ici. Allez, on se replie. On se replace, s'il vous plaît, on se replace bien comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah grouille-toi, allez. C'est pareil, là. Il leur faut combien d'heures pour se replacer, là? Oh! Oh, on obéit! Bordel! Général est tombé. Ah, ça c'est compliqué. Et puis lui là, allez, je meurs quoi. Les gars, c'est quand vous voulez, hein, feu. Oui, tirez. Allez. Vous avez des flèches? Enfin, je sais pas pourquoi ils veulent pas tirer. Mais tirez là, je vous dis, je vous ai dit tirez là, ça fait 20 ans. Me cassez pas les bonbons, allez autre part. Mais voilà, enfin. Allez, toi, tu... Mais non, pas le piqué. Mais j'ai pris le piqué parce qu'il y en a un qui est en retard. Oh là là, c'est pas vrai. Oh là, j'ai pris le piqué parce qu'il y en a un, il se touche, littéralement, il se touche. Allez, ils sont 8, là. Ils sont 8. Vous pouvez le faire, les gars, vous pouvez le faire. Allez, ils sont 4. Ils sont 2. Ils sont... Il est invisible. Mais comment? Mais ce main invisible, il est là! Mais... Je vous jure, il a pas fui, il est juste invisible. Je sais pas, ouais. Bon, là, je vais être obligé de faire le tour avec eux. Enfin, essayer de faire le tour. Ah, c'est la pire ligne de pique que j'ai vue de ma vie, quoi. Il y en a qui sont enthousiastes et les autres morts à l'emberne. Voilà, là c'est bien ça. Précision, je sais pas. Hein. T'essayes de viser, oui, mais avec précision, je sais pas non plus. Ah, tous les hauts-fly, c'est pareil. Allez, les gars. Arrêtez de tirer sur lui, il n'y a plus de... compliqué hein, ça comme bataille. Lui je l'ai envoyé là, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que là ils sont en train de faire le tour, mais il va littéralement leur falloir 20 ans. Peut-être pas littéralement, mais il va leur falloir bien 20 ans. Hop, les Levesses là-bas, allez attaquer les Levesses, je veux pas savoir. Hop, toi tu charges, toi tu charges, toi tu charges, toi pareil. Ça va être une bataille à perte hein. Compliqué.
Qu'est-ce qui bouille? Sérieux là? Il n'y arrive pas? Et le fait de ramener toutes mes unités ici, ça lui a mis la pression. Allez les gars, vous êtes je sais pas combien de... On va être 150 contre 21, ça devrait aider, non? Peut-être, oui. Oula, 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 on se calme, on se calme. Ah quoi que... Voilà, ici il galère toujours autant. On arrête de leur faire feu. Je suis sûr, ils sont en train de perdre là-bas. C'est fou, les piquets sont en train de se faire démonter par des leves. Ah non, pardon. Des peltastes. Autant pour moi. Sinon, ils meurent un jour aussi, c'est... Hop, allez hop, le tour, lui c'est quand il veut. Ça y est, il a réussi. Ce fut compliqué comme bataille là, hein. Ce fut très compliqué comme bataille. C'est vrai que j'ai quand même perdu un général. Ah. En plus, il était bon, il avait bien monté en niveau lui. Oui, non, les cantabres. Peut-être, un jour. Ah, on n'y croyait plus, hein. Et les paradènes, yes. Bon, comme je vous disais, je suis un peu pris par le temps. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu, ce tour vous aura plu. Voilà, je serai ravi de vous retrouver demain pour la prochaine vidéo, donc le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, c'était Tube. Ciao.